Hop, salut à tous. Bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Hop, alors on va se faire un petit live ce soir, tranquillement. En compagnie de Komcha, qui est en vocal avec nous, mais qui a un petit problème de micro. Et qui du coup, malheureusement, ne pourra que m'entendre et ne pourra pas parler. On va rentrer directement dans le vif du sujet, pardon. Le sujet, c'est ce bateau qu'on avait fait au dernier live. Donc bah, simplement, l'objectif, c'est de l'avancer un petit peu, le finir si possible, et puis voilà, tout simplement. Petit live tranquille. Lundi soir. Voilà. Je vais augmenter un peu le son dans mon casque. Et puis c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? En gros, la dernière fois, ce qu'on avait fait. Ah, salut Lucas, c'est un plaisir, merci à toi. Ce qu'on avait fait. Et bienvenue à vous du coup, si vous me rejoignez sur ce live. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait terminé par les cordages, en gros, les cordages et les voiles du bateau. Donc là, en gros, on était parti aussi sur l'arrière, là, en gros, le poste de pilotage, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et puis en dessous, donc on a la cabine du capitaine, ici. Et puis encore en dessous, donc bah sous le là-dessous quoi, oui. Là on a toute la cale qu'on va pouvoir aussi tout à fait décorer. Voilà. Tu parles à qui? Je parle tout seul, je parle à vous, au chat, au viewer. Mais je suis tout seul. Voilà. Tac, alors, on pourra déjà commencer par faire descendre un petit peu ce truc-là. Tac. Va bosser, non non non, on prend un petit temps pour chiller un peu là, c'est bon, la coupe y en a assez. T'en es où toi? Tu t'en vois le bout? Alors ici, bon allez, c'est coucou comme chat, hein, comme je vous ai dit, il m'entend mais on n'entend pas. Toujours rien perso les autres, oh, bah, j'ai toi. Si tu t'as déjà les. Tu sais les coupes que tu vas faire toi? Genre où est-ce que tu vas couper? Tu sais parce qu'il en faut trois. Il en faut trois différentes. Bon, est-ce qu'on se lance sur la. Comment ça s'appelle? La cabine du capitaine ou est-ce que ça part. Il en faut deux différentes. Oui, il en faut deux différentes, mais c'est le live. Salut toi Vox. J'ai failli répondre dans le chat comme un débile. Mais c'est pas grave. Oui, il en faut deux différentes, mais tu sais, au sein du groupe, il en faut trois différentes. Il en faut une en large, une en long. Mais les trois du groupe doivent être différentes. Bon. Alors, est-ce que en vrai, je suis méga chaud pour faire ça, je sais pas. Mais on va tenter un truc. Ça arrive d'être débile. Ça arrive souvent. Au boulot, le fait, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Attendez, oui, j'en suis. J'ai fait la petite en entier et j'ai fait 2 à 3 de la grande. Voilà. Propagande. Ben, ça me laisse pas tranquille, là, je peux pas live tranquille, je me fais harceler. Bon, ici c'est pas mal. Est-ce qu'on fait un. Moi je suis chaud de faire une sorte d'accès un peu quand même au bateau. Ce serait dommage que les gens ne puissent pas aller le visiter. Donc limite là, ici, là, ça peut être pas mal. Tac, tu me claques quelques échelles.
Ça. Et du coup, ici, est-ce qu'un nénuphar ça suffirait? Bah écoutez, n'hésitez pas à rester sur le live pendant que vous faites vos coupes, hein. N'hésitez pas surtout. Qu'est-ce que ça marche cette histoire? Hop. Oui, ça marche. Parfait. On fait cette histoire. Est-ce qu'on a quasi fini les coupes? J'ai à toi. Moi, je. Pour l'instant. Ouais, bah, je t'ai dit, j'en suis à 2 à 3 de la commande. Donc, pas tout à fait, disons. Pas tout à fait. Mais c'est le plus simple après, c'est juste. L'herbe avec les alignements tous les 12,50 m là, ça le fait. Est-ce qu'on mettrait pas des trucs genre. Genre ça. Un peu. Hop hop. Tac. Et puis j'ai pas de chaîne, du coup c'est superbe. Ah mais il y en avait là. Bien vu. La petite fait 80 et la grande 1,75. Comment ça la petite elle fait plus qu'un 3. La petite elle fait genre 40 quoi. Large, ouais, j'ai eu la flemme hein. Déjà que les rampes ça sert à rien de les faire et puis que le fond ça va être vraiment fait au crayon et sans mesure prendre de large pour juste dire de prendre de large j'ai un peu la flemme hein. Fait ça. Comment on peut faire un accès jusqu'au bateau là, depuis le pont, le ponton? Changer de playlist aussi pour la musique de fond, si jamais. Est-ce qu'on met des genres de bateaux? C'est vrai, le fait de venir les gens dans la flotte, c'est mauvais délire, en vrai, je pense. Donc est-ce qu'on ferait pas juste simplement un truc comme ça? Tac. Tac. Smooth stone, en vrai, c'est pas mal. Pour ce qu'on veut. Ah oui, d'accord, ok. La supercherie à la Kumcha. Qu'est-ce qu'on a? Il me faudrait. Bah, faudrait que je le fasse cuire comme ça. Pas le slash cook. Ah mais il y a ça, superbe. Superbe. Hop, voilà. Là on peut
ça c'est moche. On peut caler ça. Limite. Limite en vrai. Oh non, ça va aller comme ça. Ça va aller ici, on va cliquer ça. Ici. Cool. Ou pas en fait. Les meules, on n'en a pas, du coup ça part en trapdoor. Et puis là, est-ce qu'on met simplement de la barrière? Ça, ça n'ajoute rien. Hein. Peut-être mettre ça, attends. Dans le genre. Tac. Tac. Bof. Quand tu veux que je fasse meilleure soirée, bah écoute. Ah, je pense que t'enlèves la coupe quand même. La soirée n'en est pas moins bien. Je pense. C'est que mon opinion, hein, mais. Sans la coupe, je pense que ça passe. Je sais pas quoi foutre ici. On a un petit stairs là comme ça, mais. Il y a un truc qui va pas. Au pire, ce que je fais juste ça. En fait. Tac. Tac. Bon, il va évidemment me manquer une chaîne, mais je peux faire ça. Je fais ça comme ça. Tac. L'arnaque. Voilà. Et du coup, c'est plus du tout symétrique ou quoi, mais il y a un truc qui marche. Un peu bizarre la playlist, je me demande si je vais pas remettre la celle qu'on avait la dernière fois. Tac, la petite petite chaloupe. Qu'on met comme ça ou est-ce qu'on fait des shenanigans avec avec les comme ça les nénuphars. Parce que là c'est quand même un sacré port surtout avec un bateau de cette taille. Ça en fait. Presque envie de mettre ça. Est-ce que je mets un deuxième bateau? En vrai, c'est pas oufissime. Surtout plus que les bateaux, ça se déplace en fait. Aller chercher quelques nénuphars, ça pourrait bien passer. Une récompense quotidienne, c'est sympa comme tout ça. D'ailleurs, on peut faire un petit slash salaire, c'est pas plus cher.
16, 24, 26, 36, ok. Ok, je claque le petit bateau là comme ça. Histoire de dire. Le jump est évidemment faisable de manière très simple. Même sans le bateau. Mais au moins avec ça, c'est plus facile. Je pense qu'il y a, ouais, il y a même pas besoin de courir hein, pour faire le jump. On va peut-être sur celui-là. En tout cas, avec le bateau, ça passe. Petite entrée, on a un accès en tout cas. Donc où est-ce qu'il s'occupe notre ami là? Ouh, il met des cages. Ouh, mais regardez, c'est magnifique ce qu'il propose là. Ça c'est pas con, je voulais le faire aussi. Regardez-moi ça là, comme c'est magnifique. Alors ça c'est pas mal aussi, regardez. Je vous montre un peu. Hop, là on a l'encre qui descend. Qui n'est pas encore faite mais ça va arriver. En fait si vous regardez, tac tac tac, ça passe là dedans et là vous voyez il y a le truc pour faire tourner l'encre là, vous voyez, c'est pas mal ça hein. Vous voyez, vous mettez là comme ça là, ah, vous poussez, tac, puis ça revient avec l'encre, pas mal ça. Alors là en dessous du coup il nous a fait l'escalier avec au dessus, ce qui est dommage genre là c'est qu'on voit les ruches parce que le sol est fait en ruches, mais bon c'est pas si grave que ça. Je sais pas où est-ce qu'il est, je sais pas ce qu'il cook. Si on peut peut-être tout à fait mettre ça ici. Est-ce que je fais la voile? Je peux faire la dernière voile, ça m'enchante pas trop en vrai. Mais il reste deux voiles à faire, je vais les faire. On va faire ça, il devrait nous rester. C'est pas censé nous rester de la laine? Normalement, il doit nous en rester. On avait largement assez. La quête d'hiver, hashtag 6. Ok. Hop. On va faire juste avant ça, petite mission. Tranquillement, histoire de déjà préparer tous les outils avec Mending. Avoir lieu. Une mission de fête pour gagner un petit peu d'argent. Ça fait un peu de bruit mais ça va pas durer longtemps. Ouais. Hop. Voilà. Ceci étant fait. Et donc notre laine. Effectivement, il y en a un peu. Mais c'est vraiment pas excessif, hein. T'as de la laine comme ça? La blanche ou de la bleu clair? La blanche et de la bleu clair, je pense.
Carpet, la prismarine. On n'a pas de laine. Il va falloir que j'en fasse des petites alors. Ça doit être Yann qui a tout. Je vais aller voir dans les usines. Tiens, attends, faut qu'on essaye ça. Donc, nous disions, laine blanche, on en a, hop, et de la bleue claire, on en a aussi. Ils les avaient pas multipliées celles dont on avait besoin? Oui, voilà. Ah, ben voilà. Nickel. Alors, ça, on n'en a pas besoin. Ça non plus, au moins. S'en fout un peu. Ok, bon. Il est bien riche en laine. Là n'est pas le problème. Allez, allons-y, c'est parti. On a fait au-dessus. On doit d'en mettre jusque là quand on... Okay. On se remet un peu dedans. Auxar, c'est un nouveau, je crois qu'on l'avait jamais vu sur le CR. Je sais plus, mais il me semble qu'on l'avait jamais vu. Ressources que Yann a, c'est-à-dire. C'est quoi les ressources qu'il a? Sniffer, laine, canne à sucre et cuir. Ah oui, d'accord, je vois pourquoi tu me demandes ça. Non, pas nécessairement. Si tu veux en mettre, tu peux, mais c'est pas nécessaire que ce soit là. Je pense. Comment on avait fait ça? J'ai mis de la spruce slab aussi avec. Donc la community spruce fence là au milieu aussi, c'est pas plus cher. Voilà. Tac. Ah, j'ai. Ouais, ok, je fais de la merde, c'est pas grave. Fasse un peu plus, un peu moins plate cette voile quand même.
cordage dans les voiles, évidemment. Semble à quoi de loin celle-là? Est-ce qu'il est convaincant? Ah, celle-là, c'est. Je pense que c'est Yann qui a dû la faire. L'eau fonce, mais tu vois, les. Ouais, les voiles que Yann il a faites, en fait, elles sont toutes plates devant. Mais... Pas de détails. Détails. Donc en vrai, faudrait presque que je reprenne les siennes aussi. Pauvre bestiole. Et je l'entends couiner depuis le début. C'est pas ça? Bon, ça pourrait limite rester comme ça. Hein. Numéro chance le 26. Ah ouh. Grande nouvelle ça. C'est demain le 26. Ouais, il est adorable mais... Parfois il a un peu... Numéro du sniffer aussi. Oui, je sais. I know. Je vais mettre ça ici si tu veux. Il y a quoi comme nouvelle récemment dont on pourrait parler là? Il s'est passé quoi récemment? Je sais pas, je suis pas très au fait. Il y a la Coupe du Monde de rugby quoi. Un truc un peu comme ça c'est déjà mieux quoi parce que alors, c'était vraiment tout plat, c'était pas... Il était pas quoi. C'est déjà un peu mieux là. Tu fais une petite coupe. Ah non, le mot, j'ai proféré le mot interdit. Non mais je parlais d'une coupe de cheveux. Commence à cailler, j'ai un peu mal à la gorge en vrai. J'ai acheté du coca vanille, un avis sur le coca vanille, le synth. Coca vanille, je sais même pas si j'en ai déjà bu. Coca vanille. J'avais bu du cherry à l'époque où c'était sorti. J'avais bu du cherry à l'époque où c'était sorti, donc il y a un petit moment quand même, mine de rien. On peut dire que je suis un peu un vieux. Et en vrai c'était pas mal, mais je suis sûr que c'est un truc en mode... T'en bois un verre c'est divin, t'en bois trois verres c'est trop. Du coup, bon, coca vanille, j'avoue que... Je suis pas certain quoi de pourquoi en fait ma question est la suivante: pourquoi tu prendrais coca vanille alors qu'il y a coca normal? Voilà, je pose cette question. Ça me paraît, tu vois, pour varier le plaisir. Mais si tu veux varier le plaisir, tu prends un Orangina.
L'arrière est un peu moins moche. Ouais, presque. Il a cette manie, il nous a mis du carpet partout aussi. Orangina, c'est... Comment ça, Orangina, c'est non? Il y a des gens dans le chat là? Attends. Bougez pas. Comment on fait un sondage sur ce truc là? Gérer le sondage. Question. Alors la question en vrai c'est pas plutôt Orangina ou plutôt Coca parce que ça le débat n'a pas lieu d'être. C'est plutôt Orangina. Ah, et tu mets. Je vais mettre les trucs pendant 10 minutes. Il faut des plumes. Ah non, ok, c'est gratuit normalement, je crois. Voilà. Bon, il n'y a pas grand monde sur le chat, mais si jamais il y a des gens qui viennent. Ouais, il vient de proférer un truc dans le chat là. Attends, il a mis quoi? Fusty Hibiscus Orangina. Bah, rien de t'enlever le modo. Hein. Fusty Hibiscus, tu te rends compte de ce que tu dis? Ouais, mais là, le problème, c'est qu'il nous a vraiment mis des trucs de manière trop systématique un peu. It's nice to have a few of them, but not all is a good idea. Pareil pour les carpettes. Hein, non, non, Orangina, c'est la boisson de mon enfance, d'accord? Donc tu vas mettre énormément de respect sur le nom de l'Orangina. Et n'hésitez pas à voter dans le chat hein, pour me donner raison. Attends, mais j'ai mes yeux. Hop. Nickel. Non, parce que c'est quand même le mec qui vient de me dire j'aime bien le coca vanille qui se permet de critiquer l'Orangina. Voilà, pour remettre un peu en contexte les choses. Non, non, mais attention avec ce genre de propos là. Mais bien sûr, mais. Mais voilà, mais là, je veux dire, à un moment. Voilà, il y a cette question qui peut être posée. Non, non, mais Coca Vanille, c'est. Non, mais c'est compliqué à défendre comme argument, quand même, Coca Vanille. Hein. Il y a des gens qui ont voté dans le chat ou pas? Non. Ça ressemble à peu près à quelque chose. Mais Coca Vanille, mais... ce qui est bien sur cette chaîne, c'est vraiment les sujets de conversation les plus intéressants qu'on a avec les vrais débats qu'on a, c'est uniquement sur de la bouffe. Évidemment.
Bon, très bien, ça ira comme ça. Ça devrait être illégal. Bon, dernière voile. Je suis plein de carpettes là, du coup. Pas de carpette, mais... Notre ami Yann a eu... Il y a un T-Max sur le live, exactement. Non, alors oui, par contre, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait que le Schweppes, par contre, c'est non. Schweppes, en fait, c'est... Ouais, un peu boisson des enfers quand même. Et je vois pas quel serait l'intérêt de boire du Schweppes en fait. C'est vraiment ça a mauvais goût quand même. Ouais, encore hein. Tu guéris du cancer. Ouais, mais t'en chopes deux. Peut-être. T'en guéris un, mais t'en chopes deux rien qu'avec le goût. Hein. Ah, le Indian Tonic, je sais pas quoi, là, c'est quand même compliqué à voir ce genre de choses. Hein. C'est compliqué. Que personne n'ose venir me dire, oui, non, mais moi, mon soda préféré... Alors, pareil, Fusty Hibiscus, c'est délicieux sur quoi? Sur les 4 premiers verres, quoi. Et après, en fait, y a un goût qui vient qui est vraiment pas intéressant, quoi. Oasis surcoté. Oasis Tropical, faut vraiment mettre du respect sur ce nom parce que Oasis Tropical, il carry énormément de choses à lui tout seul. Hein. Surcoté, les mots sont durs quand même. Ah, j'ai pas fait l'arrière. La peur du mouvement, n'hésitez pas à taper dans le chat si vous le savez. Hein. Surcoté de fou. Mais l'oasis tropicale, les gars. Peut-être que j'ai des goûts d'enfant, mais oasis tropicale quand même. Vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de critiquer là? Quand vous voulez un soft qui a pas de bulle et que vous prenez pas l'Eisty, dites-moi que vous prenez pas de l'Oasis. Dites-moi que vous prenez pas de l'Oasis. Okay, je vais au casino. Si je gagne avec une de mes trois clés, c'est-à-dire que Oasis est supérieur à votre connerie de fusti, je sais pas quoi. Grand Brésil, je sais pas quoi, machin chouette, rien à foutre. Ah, c'est pareil. Voilà. Non mais voilà, c'est tout. C'est tout. Je vous explique les choses. Hein. Je vous explique les choses. Comme ça que ça marche. C'est pas moi qui décide, hein. C'est pas moi qui décide. C'est marqué, hein. C'est marqué.
Oui, c'est possible qu'il est encore réel de lancer parce que tout à l'heure, enfin je sais pas, j'ai du mal à comprendre comment il marche ton jeu. Chaque fois que tu me dis j'ai fermé le jeu, mais t'es toujours dans le lobby. Elle est superbement moche la voile que je suis en train de faire là. Je suis sorry. Désolé, c'est un peu dégueu. Et mais oui, du coup, Avox, vu que tu m'entends, t'es forcément sur le chat. Forcément. Ça joue RL, bien sûr, ça joue RL. Ça joue RL de manière compétitive et professionnelle. C'est la première fois que tu viens sur le live ou t'avais déjà follow avant? Quelle honte. Bah, on est SSL ici, hein. First time. Ok, ça fait plaisir. Si, si, bien sûr, c'est celle, on fout légende ici. Hein. Only skill, only skill. Eh oui, mais faites comme Quentin dans le chat, hein. Mettez le live du Syntac avant. Bah, en fait, tout le reste de votre vie. C'est-à-dire que dès que vous recevez la notif, vous êtes censé faire comme lui et refuser toute autre activité extérieure jusqu'à ce que je vous octroie le droit de partir par la fin du live. Ça, c'est moche, ça, par contre, hein. Ça, c'est moche, ça. Ouais, je devais être champion, mais. Je devais être champion, et puis après, du coup, je me suis fait les croisés du. Comment on appelle les tendons des doigts? Comme ça, t'es doué toi? Comment ça s'appelle? Tu peux te croiser les tendons des. Genre de l'auriculaire? M'intéresse à penser à le. Je suis sûr, tu regardes même pas. En plus, t'es giga en train de faire la coupe et t'as juste le son en fond parce que je fais pas des trucs super intéressants. Titre, je sais, les gagnants du tournoi. Voilà, ça flex un peu là dans le chat, doucement quand même. Bon, est-ce que c'est moche? En vrai, oui. Mais pas tant que ça. Les simulants en match free. Ah, on peut tout à fait. Je peux tout à fait partir en quelques matchs Rocket League. De toute façon, on avait dit. C'est bizarre en vrai. On avait dit avec Comcha qu'on voulait prendre. On voulait prendre tout Survival World sur Rocket League. Donc faut bien commencer quelque part. Hein. Il a fait. Il a fait. Ouais, mais level 8. Je sais même pas ce que je fais. Ma voix, elle ressemble à rien. Faudrait que je la fasse redescendre un peu là en vrai. Je comprends rien au serveur. Ah bon. Tu fais ce que tu veux, puis tu gagnes de l'argent si t'en as envie, c'est à peu près tout. Hein. 1000 dollars. L'entièreté de sa fortune. Qu'est-ce qu'il raconte là? Si vous nous rejoignez sur ce live, évidemment. 2015, j'étais là. Non.
J'étais pas là en 2015, j'étais là en 2016-2017. Mais OG. Je suis un vieux sur ce serveur, moi. Juste j'ai fait une pause de genre 8 ans. Mais. J'ai vu. Ah oui, c'est quand même, je me disais. Au début, j'étais pas sur le P3, mais forcément, il n'y avait pas le P3 à l'époque aussi. Enfin, je sais plus comment ça marchait, mais. Mais je sais même pas s'il y avait la sélection de serveurs à la base. C'est peut-être 2017, ouais. Le truc c'est qu'elle est toute petite. Alors, je sais ce que vous allez dire. C'est pas la taille qui compte. Mais là, on veut qu'elle soit impressionnante, cette voile. Bon, là, on est pas mal. Ouais, mais faut que je règle ça. Là, c'est tout plat, Yann. Qu'est-ce que tu nous fais? Bon, Yann qui a tenté de faire ses preuves en build, il a essayé des belles choses. Malheureusement, il n'a pas réussi partout. C'est pas grave, NT cependant. Oh, mais il nous met des carpettes. Depuis 30 ans, je suis toujours avec l'attaque sans build. Bah. Ah, les mots sont durs dans le chat, mais. Manque de practice, peut-être, hein, tout simplement. Y a pas des gens qui jouent à CS dans le chat, là? Enfin, dans le chat. Bah, dans le chat Twitch, si vous êtes là, s'il y a des gens. Mais dans le chat. Allô, un peu. C'est terrible ça qu'on dise vous jouez à CS et qu'on me réponde je joue à Valo, mais ça c'est terrible ça. Ça en vrai ça me fait un peu mal quand même. Silver, ah un homme de. Un homme de culture. Ah c'est terrible, mais. Normalement, il y a CS2 qui sort bah, du coup mercredi, là, après-demain. Donc, sur un malentendu, ça redevient hype un peu et tout. Après, les gens qui jouent à Valorant diront toujours, mais c'est de la merde. Mais... J'ai espoir. J'ai espoir qu'on arrête de me répondre, non, non, je joue à Valorant. Je joue à Spyro's Adventure, donc t'es chaud. Skylanders? CS est finito pour l'instant. Oh, les mots sont durs hein, quand même. Parce que quand tu vois la beauté de CS2, comment on s'amuserait presque dessus. Bon. Ah, c'est rigolo de. Tu l'as pas? Le mec a pas accès. C'est une vanne. Ouais, je sais pas. Tu sais, Théo, il joue à des trucs. Moi, ça m'étonnerait pas que tu joues à des trucs aussi. Hein, ouais. Moi, je juge pas. Donc le S. Oh, le CS2, je l'ai depuis. Je sais pas, je suis.
Savez, moi je suis un peu un nom dans le stream du CSGO français, donc j'ai eu un accès très anticipé, me permettant de faire zéro game étant donné que bah, j'attendais mes camarades de jeu. Ouais, je suis un... C'est un peu idée. En attendant, j'avais eu CS2 en avance. Donc voilà, on peut se foutre de ma gueule, mais j'avais le jeu. Bon, par contre, c'est beaucoup trop. Ça ne marche pas là, ce qui est proposé. Mon chat prend 99% de mon écran sur Minecraft. Si, en fait je sais, c'est parce que c'est pour qu'on voit le grade. J'avais remis pour qu'on puisse voir le grade avec le message à côté. Sinon, en fait tu vois, il y a marqué genre marqué héros machin et ensuite le message en dessous, et je trouve ça nul. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. N'hésitez pas à envoyer un message dans le chat. Ensuite. En ce lundi soir, début de semaine. Non, mais là en fait, comme ça, j'ai l'impression que ce qui va juste se passer, c'est qu'on va un peu finir vite fait ce petit bateau, puis qu'on va aller claquer. Quelques mecs sur Rocket League, je crois. C'est ça qui va se passer, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Voilà, je pense que ça va partir là-dessus. Parce que il y a des mecs qui font beaucoup trop les shows. Plus en plus ça trash. T'as peur de ta tête pour pas la montrer. Bah, je peux pas avoir peur de ma tête, je la vois tous les jours. Non, c'est que je. Bah, en fait, déjà, si tu veux, je suis dans un appartement étudiant. Du coup, si tu veux, si je mets ma cam, il y a la grosse cuisine et tout derrière, tu vois, avec la machine à laver. Et mon PC n'a pas de webcam. Et puis, j'étais en train de setup une caméra, du coup. Cependant, j'ai eu la flemme. Et du coup, le projet est en stand-by pour l'instant. Voilà. Mais au 100 sub, il y a le fit reveal. Fit pick. Il y aura une fit cam et tout. T'achètes une. Non, mais j'en ai déjà une. Je ferai une face cam, une fit cam, une. Tout ce que tu veux. Bon, c'est pas mal. C'est un peu mieux, même si en vrai c'est giga plat là encore. Reste anonyme. En vrai, franchement, je pense que si quelqu'un veut me trouver, c'est vraiment pas compliqué parce que c'est même très simple en réalité, je pense. Si vous voulez trouver ma véritable identité, c'est vraiment pas compliqué. Il y a beaucoup d'indices partout. Mais bon, vous avez littéralement donné le nom de la daronne Ayane l'autre jour, donc j'ai envie de te dire, à un moment, faut assumer quoi. Non, mais ça c'est facile, ça c'est marqué dans le chat. Bah oui, vous êtes des bouffons, à chaque fois je dis rien parce que voilà, tu vois, pour pas faire remarquer, mais vous êtes trop cons. Ça sort les gros blazes comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là, là c'est un peu mieux déjà. Même là, pareil, regardez-moi ce travail là. Comment tu veux que ça aille? Hop, 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 hop. Pourquoi on n'entend pas le C? Parce que le C, il a des problèmes de micro, en fait. Tout simplement. Et du coup, bah, le C. Le truc, c'est que le C, il vient chez le synth, demain. Du coup, si jamais je live, bah, on fera un gros feat avec Komcha dans la même salle. Donc, voilà. Incroyable.
Les officiels, c'est ça aussi. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. N'hésitez pas à envoyer un message dans le chat et à nous dire si vous préférez l'Orangina ou le Fusti Hibiscus. Ce qui est objectivement une hérésie, mais. Après, vous en faites ce que vous voulez. Orangina. Mais non, mais. Enfin, mettez du respect sur son nom quand même, l'Orangina. Il met des sacrés match-up aux autres trucs quand même. L'Orangina. Pas assez de respect. Est-ce que je mets un deuxième cordage ici? En vrai, oui. Je pense. Pas pour changer de sujet, hein, que je dis ça, rien à voir, mais. Vas-y, si tu lâches le sub, j'ai arrêté avec l'Orangina. Voilà, c'est tout. On part littéralement sur du chantage. Là. C'est tout ce qui est en train de se passer. C'est bon, l'Orangina, j'ai une taille à côté de moi. Mais évidemment, mais voilà, un homme. Mais. Enfin. C'est même pas du réalisme à ce niveau-là, c'est juste. Je sais pas, c'est du la sainteté d'esprit, quoi. Faut juste être lucide, je dirais. Attends, mais... Ah, mais je suis pas parti du bon côté. Ah, bouffe. Okay, terrible, ça va être terrible. Dommage, le cimet. Non, parce que faut faire gaffe à ces gens-là, sinon, comme chat, ça risque de changer ta view. Pas de ta chambre, c'est dans ta cuisine. C'est vrai. À la base, j'étais dans ma chambre. Quand j'ai commencé. J'étais dans ma chambre. Et après, j'ai découvert que bah, ça sort sur une chaise, c'était plus confortable que sur un lit. Surtout sur des grandes périodes de temps. Du coup, bah, je suis allé sur mon bureau. C'est fou, hein. Non mais n'hésitez pas, hein, si jamais vous voulez du story time super intéressant comme ça, n'hésitez pas à poser des questions. Là, le truc, c'est que ça va être moche. Donc on va claquer un petit truc comme ça. Tu vas lancer des streams? Déjà où ah, faut que je te mette dans mes chaînes recommandées alors. Ouais, c'est pas mal. Petit bug de laine ici, c'est pas plus cher. Là un petit bleu, c'est nickel. Là c'est moche. Cependant, donc on va plutôt faire un truc comme ça. Tac. Et là. Emerald, t'as proposé le grade? Le grade quoi? Le grade streamer? Mais non. Ça se refuse rien. Mais toi, en plus, t'as demandé. T'avais pas demandé un grade modo ou je sais plus quoi, non? Y avait pas une histoire comme ça? Ah, c'est le grade streamer que t'avais demandé, je pensais que c'était le grade modo ou je sais plus quoi. Il me semble que t'en avais parlé. Si staff. Ah oui, voilà, c'est ça, on est d'accord. On avait dit, on est d'accord. Il suit quand même le synth. Hein. J'attends la réponse des deux. Ça a fait le petit formulaire et tout là. Qui est la fleur qui symbolise les difficultés que je surmonte? Pour tous mes petits paysagistes dans le chat, ça. Quelle est la fleur qui symbolise les difficultés que je surmonte? Quercus robur. Waouh, ça sort les gros noms latins et tout. Ilex. Je crois que c'est un. Mais au pire, tu mets juste chêne, non? Non.
C'est pas mal comme ça. Le truc étant qu'il faudrait presque que je fasse venir ça comme ça. Ah mais c'est en train même de mettre des cultivars et tout. Mais Ika, t'es dans le domaine. T'aimes ce que je baragouine? Attends, je vais voir. T'es dans le domaine de la botanique ou quoi? C'est quoi cette histoire là? Le mec te sort des gros cultivars. Normal. Pomme de pin. Ah, là, tu vois, typiquement, c'est beaucoup moins botanique. T'as fait la demande de staff? Mais tu joues pas P3 à Vox. Je fais un bac à aménagement paysager. Mais non. Ça, c'est lourd, ça. Putain, on est entre connaisseurs, là, en fait, du coup. Ça c'est fou ça, ça c'est l'or ça. Avox t'as fait aussi? Non non, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Sérieux? Bah, ça se trouve vous connaissez IRL et là. P1 et P3, ok. Mais t'es que level 8 sur le P3. Donc je suis mytho. Faut prouver, faut prouver. Dis-nous des trucs qui peuvent prouver la réalité des choses. En vrai, hein, c'est Ika qui a sorti les noms latins là. J'avais 400 heures d'absence, je peux pas prouver beaucoup. 400 heures. 400 heures. Mais j'ai mon certificat scolarité! Vas-y, envoie-le sur le live là! Vas-y, en légende là, en homme, vas-y, balance-le sur le live là. Dans le chat là. Tac. Bon, là c'est pas mal, on a un petit. Je peux pas envoyer d'image sur le live. Un petit cordage qui vient comme ça, c'est pas mal. Je t'envoie sur Discord. Je leak le nom, le prénom et l'adresse d'Avox en live. Ça tourne mal. Alors, qu'est-ce qui nous a cook, notre ami Komcha? Silent Komcha, je dirais. Est-ce qu'il nous a fait la cale? Non. La cale n'est pas faite. Ici, on a du bois de mangrove. On a une random. Foutu grand chose, non, mais c'est mieux qu'avant, hein, je suppose. Moi j'ai fait mes deux voiles avec du coup le cordage là que j'ai relié au milieu. Petite jarre, tranquille. Cherche. Ouais, merci, c'est sympa, c'est pas mal non plus, hein. Antrinium. J'ai aucune idée de ce qu'il raconte là. Et moi j'avoue que je suis dépassé par la tournure des événements. Ça part en match privé, en vrai. Pépiniériste. Non mais et en vrai. Franchement, la botanique, c'est vraiment, je trouve, une passion qui est sous-cotée, tu vois. Je trouve que c'est trop stylé. Bon, après, j'ai un avis un peu biaisé, je pense, mais. Franchement, c'est pas trop stylé, les plantes, en vrai. Le gui. Excellent, c'est là. Bon, qui c'est qui veut se faire claquer sur Rocket League là? On va sur Rocket League ou on finit ce bateau là? Parce que au pire, on va sur Rocket League, on va tous sur le Discord et puis voilà quoi. Attends, il est quelle heure? Ah, 23h02. Pourquoi il y a un burger sur mon stream? Ah, une pub! Bah
Bah écoute, mon bro, c'est sûrement des pubs qui sont orientées pour toi, donc s'il y a des burgers, tu peux t'en prendre qu'à toi, même malheureusement. Et il est 23h03, donc on peut faire un superbe. Ouais, voilà, on peut faire un tournoi en 3v3 avec celui qui veut. Et puis après, on peut claquer tous ceux qui veulent sur le reste de la soirée. On fait ça? Hop, et bah si vous vous rejoignez, ne bougez pas surtout, je vais relancer le stream afin d'avoir deux VOD différentes et puis des paramètres d'encodage optimisés afin que Rocket League ne lag pas, ne bougez pas, je relance le live tout de suite. Et puis on va aller faire un tournoi 3v3, into, bah certainement des games avec les copains du P3. Voilà, donc à tout de suite, ne bougez pas.